Eh bien, bonjour les amis, c'est Beboy en compagnie de Chris. Yeah, bonjour les amis, Chris, toujours présent dans la Dino Robotique, se prêt pour de nouvelles aventures palpitantes avec Beboy. Yeah! Yeah, mon frère. Bon, dis-moi tout. Alors, mon frère, donc on a pas mal de choses à discuter et autres. Et comme je suis en train de préparer notre super élevage de loups, eh Ok. bien, j'ai décidé qu'aujourd'hui, nous allons répondre à la question d'un de nos abonnés, mon ami, mon frère. D'accord. Qui s'appelle? Alors, c'est Hélary qui m'avait posé la question il y a une trentaine de vidéos. Ok, Ah, bon, big up à toi et merci pour le nom d'un de nos dinos. Vu que dans les commentaires, vous n'en avez pas mis, on tient notre premier nom déjà. voilà. Et la question était plutôt simple, c'était comment on dresse un argent à vis et pourquoi c'est si utile. Ok. Et c'est vrai que bah, nous, on en a tout de même 4 ou 5 dans la base, je crois, je ne sais plus exactement le nombre. Mais on n'avait pas fait de vidéo sur l'argent, enfin sur le dressage de l'argent à vie déjà? Non, pas du tout. Comment on a eu les nôtres alors? Seulement par des cadeaux. D'accord! Ceci explique cela! Par Bien, bien, exemple. bien! Fort Par intéressant, exemple, fort intéressant! les deux agendas, on les a eus par cadeau de la part de. Je crois que c'était Zuloobs d'ailleurs. D'accord! Ok! Ou de Kixey et de. Keshi. Oh, je sais plus. Mais de toute façon, il faudrait que je re-regarde les vidéos parce que je t'avais montré les cadeaux qu'on avait reçus. On les avait Oui, reçus avec oui, oui. Sharkan, tu sais, le loup Oui, fluorescent. le loup, oui. Ok. Donc on avait reçu plusieurs cadeaux d'Argentavis parce que bah justement l'Argentavis est une créature extrêmement utile. C'est pour ça que c'est un cadeau qui est sympa. Oui, tout à fait, tout à fait. Je vais vous Ok. montrer la recette des œufs de Stégosaure, croquettes des œufs de Stégosaure, qui est la nourriture préférée des Argentavis. À tout de suite les copains. Eh oui, la logique dark, hein. C'est ça. Nous allons cuisiner pour des dinos qui ne savent pas qu'ils aiment cette nourriture-là. Oh, tu sais, tu leur donnes un stégosaure vivant, je dirais qu'ils vont leur faire leurs 4 heures. Hein. Oui, après, c'est vrai que n'empêche, tu donnes par exemple à un lion de l'agneau rôti ou du mouton ou du bœuf grillé ou cuit, etc. Il va le manger aussi. Pourtant, il ne sait Oui. pas cuisiner. C'est ça. Et pourtant, ça peut être sa nourriture préférée. C'est ça. Donc du coup, Donc, la on peut dire nourriture. dans un sens que la logique est respectée. Donc, pour préparer les croquettes d'œufs de stégosaure, vous pouvez utiliser la cuisinière industrielle ou la marmite suspendue, sachant qu'il ne faut pas oublier l'eau pour la marmite suspendue. Vous avez besoin de fibres, de méjobéry, de citron, de viande séchée primeur et d'œufs de stégosaure. Vous allumez le tout et vous obtenez des œufs de stégosaure. Enfin, Bon, des je vais en faire 5. croquettes. Ouais, des croquettes, ouais. Moi, 6. Allez, hop, va pour 6. Je mets tout dans le frigo, j'arrive. T'es sûr que ça va suffire? Ok, c'est toi l'expert. Ouais. Ah oui. C'est ça que j'ai pas montré aussi, c'est que la selle de l'Argentavis. Hop. Hop. La selle de l'Argentavis se débloque niveau 62. Ok. Ah oui, en parlant de celle, je vais te la passer parce que Ouais, t'allais la récupérer au port. c'est ça. Donc alors, je fais lâcher. Tu l'as vu? Ouais. Alors je sais plus si ça se fabrique dans l'artisan. Je crois que il me semble que ça se fabrique dans l'artisan. Ouais. D'accord. Et il faut qu'on parle de quelque chose de très particulier, mon frère. Ok. C'est que j'ai ramené tous les loups et on va faire la seconde phase de l'élevage ensemble. Ah. Voici notre meute de loups. Yeah. Alors, Ah ça,
grand blé, créature des grottes. C'est ça, c'est exactement ça. Alors donc du coup, la première phase pour faire un élevage, c'est évidemment de dresser la créature qu'on souhaite élever au niveau sauvage. Donc ça, on l'a fait lors de la précédente vidéo. Non ? Oui, bah oui. Et donc du coup, on passe à la seconde phase qui est la sélection des créatures qu'on va accoupler. Donc là ici, le loup féroce niveau 374 avec le casque, on va le garder parce que son poids est intéressant. C'est celui qui a le plus haut niveau de poids, 363. C'est important parce que il faut qu'il soit de nous porter, nous et notre armure et nos équipements. D'accord. Ok, ok. En tout cas, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Tremblez, créature des grottes. Et c'est une femelle. Ah, alors, ok. On va le garder parce que, justement, en fait, parmi les loups sélectionnés, on n'a qu'une seule femelle. D'accord. Bon, bonjour la polygamie. Eh oui, ami Arkien, nous avons inventé le concept de polygamie dans le jeu. Voilà. Après, nous avons le petit loup de petit niveau qu'on va garder évidemment pour l'élevage parce qu'on va prendre ses stats d'oxygène et de nourriture qu'on ne veut pas. Ok. Voilà. Donc du coup, lui, ce sera un mâle et on le prend pour ses stats d'oxygène, et où mon e-commercial, et de nourriture. Voilà. Ensuite, on a le Wolfgang. Wolfgang, lui, on va le garder pour ses statistiques d'énergie, d'endurance en fait. Il a 1820, c'est lui qui a le plus haut niveau d'énergie. C'est important d'avoir beaucoup d'endurance parce que tu consommes ton endurance à chaque fois qu'il mord et à chaque fois que tu cours. Donc plus tu as d'endurance, plus tu peux combattre. Ok. Donc on va laisser son nom parce que j'aime beaucoup son nom, Wolfgang. Je vais juste mettre par contre que c'est l'endurance qu'on veut chez lui. Donc je vais mettre Wolfgang A. Voilà. Donc ça c'est important, la phase de sélection des stats. On change le nom des dinos pour savoir exactement ce qu'on prend comme statistique. Parce que quand on va les accoupler, bah, on va regarder les parents. Et voir si l'enfant a obtenu les statistiques qu'on souhaite, tu vois. Ok, ça marche. Et là, le 434, lui, ça va être ses statistiques de points de vie, qui est le plus haut, et de dégâts. D'accord. Donc lui, on va les mettre points de vie, hop, et dégâts. Et on va passer à la dure réalité de l'élevage, mon frère. Écoute. Comme on n'a pas beaucoup de place pour les dinos, il va falloir que on... Que on ne garde pas ce qu'on n'a pas sélectionné. D'accord. Tu les as achetés ? Je les égorge, mon frère. Bon, bah écoute, j'ai toujours voulu goûter de la viande de loup, tiens. Mouton de France et d'ailleurs, vous êtes vengé à présent. Le seigneur Chris arrive à sa boîte aux lettres. Évidemment. J'espère que vous m'avez écrit, très cher. Bah, en fait, pas du tout. Quoi ? Quoi ? Comment ? Oui ? Que vois-je ? Sacrilège ! Moi j'ai reçu du courrier. On a pensé à moi. Je sors mon épée. Manon Flibustier. Comment n'avez-vous point de respect pour votre suzerain ?
Les amis, vous... J'exige le double de lettres pour la prochaine fois. Les amis, me laissez pas me subir ça seul, s'il vous plaît. Alors, donc du coup, Pastisel, il m'a dit, salut Beboy, tes vidéos sont géniales, géniales, je pense. Génial, merci, oui. Je te donnerai quelque chose personnellement. Oh. Mais chut, faut pas que ta femme soit au courant. Ok. Je sors mon épée. Je suis fâché. Yeah. Bon, bah, mon frère, on va dire à tout à l'heure à nos amis. On va préparer le dressage et on se retrouve tout à l'heure. C'est la pub, même si je suis fâché. À tout de suite. Bien, mon frère. Alors. Nous voici directement dans le biome des séquoias, donc la Redwood. C'est là-bas qu'on va trouver facilement des argentavis. Je crois d'ailleurs qu'il y en a un pas très loin. J'en ai vu un tout à l'heure voler. Ok. Donc je te propose qu'on pose d'abord la cage. Et il y a une astuce à connaître quand on pose une cage comme ça. C'est que il faut absolument, en fait, que on puisse sortir avec notre pteranodon de la cage. D'accord. Donc, d'abord, on va poser. Donc, la cage est constituée de tout simplement à peu près 5 portes à dino et de 2 portes, enfin, de 5 cadres de portes à dino et de 2 portes simples à dino. Donc on va poser le premier, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un de nos pteranodons. On va atterrir au plus près de la porte, et on va le laisser là, tu vois, contre la porte, juste ici. Bon, je me suis décalé un peu trop. Voilà. Et du coup, le pteranodon fera tout simplement l'espacement que je vais devoir... respecter pour pouvoir sortir de la cage avec mon pteranodon, parce que l'argentavis est un peu plus large et donc en fait il va pas pouvoir sortir alors que moi je vais pouvoir sortir avec mon pteranodon. D'accord. Je sais pas si je m'exprime bien. Oui. Dites-le en commentaire hein, puis si jamais vous comprenez pas les explications du professeur Beboy. Mais bon, de toute façon, vous verrez la démonstration en vidéo. Voilà. Maintenant, on met les deux portes. Hop. Elle est où la première ? Elle est là. Voilà, ça devrait bien le faire. Et l'autre astuce qui est vraiment sympathique, quand on est sur serveur, alors je ne sais pas si on peut l'utiliser sur en solo, c'est de mettre la porte en mode déverrouillé. Pourquoi ? Parce que quand on va l'ouvrir, elle va rester ouverte. Et du coup, on n'aura pas un risque que la porte se referme devant nous avant qu'on ait réussi à faire rentrer l'argentavis. D'accord. Mais du coup, si l'argentavis rentre, il ne pourra pas ressortir. Ou il faudra refermer. Donc, il faudra refermer juste derrière. Voilà, c'est exactement. C'est l'aspect un peu délicat qu'il faut réussir à gérer. Alors, j'avais vu un argentavis à peu près par là. 260, hein. Ça va être un bon bestiau. Pourquoi s'approcher de lui ? Et il faut savoir qu'en fait... l'argentavis aime énormément le pteranodon comme nourriture, que du coup on allait dire petit, viens me manger. Voilà. Et tranquillement, on va aller l'attirer dans notre cage.
Voilà. Donc là, il est dans la cage. Il est en train de me boulotter. Et on va fermer la porte. Et on va ressortir. Et normalement, il peut pas ressortir. Mon frère, l'argent de ta vie, c'est en cage. Voilà. Bon, c'est parti. Donc, à tes fléchettes tranquillisantes, on est parti. Toi, c'est pas très compliqué, mais il y a quand même deux astuces à connaître. Tout à fait. Il faut faire attention d'être capable de pouvoir sortir de la cage. Oh, il s'est barré. Ouais. Bah non. Bah, j'ai mal géré. Mon anthrax est trop fort. Il est furax, hein. C'est normal. Ouais, je crois que là il faut l'abattre, hein. Non. On peut le gérer, tank. Prends ton pteranodon, vole. D'accord. Essaye de rester pas trop à distance. Il est passé où, mon Terra? Ah ben, je sais pas. Génial. Je l'ai pas vu. Il était juste là. C'est pas lui que l'argent Tavis poursuivait? Ah, peut-être, hein. Tu l'as mis en quoi? Bah, en rien du tout. Il est pas en passif? Si, normalement, si. Y'a que le mien qui a attendu. Ah bah, je crois que c'est lui qui est aux prises avec l'argent à vie, là-bas. Ok. Ah, là, là. Laisse. Voilà, c'est bon. Je l'ai. Bon, je t'attends près de la cage. Ouais. Ah, il revient. Ben, j'ouvre les portes. Je sais pas si j'ai déverrouillé, par contre. Tiens, j'ai ouvert la porte. Bien joué. Par contre, là, je vais pas pouvoir l'avoir, le terrain. Il est en vol stationnaire. Attends. Bon, c'est pas grave, pas grave. Fais rentrer l'argent à vie. Je vais m'occuper de faire rentrer l'argent, Tavis. Ouais. Je sais pas s'il a réussi à rentrer, là. Oui, ça y est. C'est bon, je ferme la porte. Fort. L'anthrax devait être plus court. Notez bien, les amis. Hein. J'ai, sur le premier... une première phase de construction, j'ai construit l'anthrax un peu trop. T'as commencé à bombarder, mon frère? Ouais. Attention, ah, j'ouvre pas la porte. Qui c'est qui ouvre la porte? Appuie sur la porte. Oh là là. Mais qui a ouvert la porte? Non, je vais essayer de la tirer à l'intérieur. Tire plus sur lui. Laisse-le la tirer vers l'intérieur. D'accord. Prends le pteranodon. Voilà. Écarte-toi bien de la porte pour éviter de cliquer dessus. Ouais, ça y est. Bien joué. Ça, c'est une équipe, ça. Ah là 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 là, que des péripéties. Yeah. Attends, mon frère. Il faut que je relance la vidéo. Ouh, doucement, mon frère. Alors, il en est où? Bah, je crois qu'il s'est endormi. Ouais, ça y est. Alors. Donc, les amis, pour l'argent Tavis, vous trouverez du coup l'argent Tavis sur cette carte que je vous affiche ici, bien sûr. en termes de nourriture, vous allez donc du coup pouvoir lui donner n'importe quel type de viande.
passant évidemment de la viande cuite de poisson qui est la moins bonne à la viande supérieure crue qui sera meilleure. Et évidemment, vous avez une recette de croquettes, la recette de croquettes des œufs de Stégosaur, qui sont les croquettes préférées de l'Argentavis. On va lui donner quand même un peu de viande. Voilà. Bon, bah encore une belle réussite. Une victoire. une belle victoire. Victoire des plus grands dresseurs de l'île. C'est ça. Yeah. Ça vaut une chanson, moi, je dis. Ben oui. C'est nous les plus grands dresseurs de l'île. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Yeah, bravo. Mon frère. Yeah, bravo encore à toi, mon frère. Ah, toi aussi, hein. Tu sais quoi, mon frère? Ouais. J'ai pas oublié les narcotiques aujourd'hui. Bah oui. Ah non, mais surtout que dans la précédente vidéo, on a dû finir le dressage à coup de poing, quoi. Eh, non, mais n'empêche, ça marche, hein. Ah bah oui, hein, moi, les premiers dodos, je les avais dressés au coup de poing. Hein. Bah oui, dodo. N'empêche, ça marche aussi, hein. Bah, faut pas l'oublier. Hein. C'est ça. Le coup de poing, ça assomme. C'est ça. Excuse-moi, mon frère, on a été coupé. Ah là là. T'es encore là, mon frère? Oui. D'accord. J'entends ronfler l'Argentavis. Est-ce que Craig est encore en ligne? Craigounet. Excuse-moi. Ouais. Ok, parfait. Ah oui, il a pris 75% direct, là. Bah, c'est parce que j'ai mis un x15 aussi. Ah oui. À raison 2. Bah écoute, je voulais pas trop me compliquer la vie, hein. On a me donné des fois 15, je les utilise. Voilà. Ça va faire combien, toi, en effectiveness? 129 niveaux en effectiveness. Ça va nous faire un 300. Yeah. Ah, là, yeah. Ça va être bon, là. Là, ça va être bon, là. Yeah! C'est nous les plus grands dresseurs de l'île. Alors moi, on va lui mettre la selle. Ça lui a mis la selle? Ouais, ça y est. Yeah! Alors, une première chose, mon frère. Il est temps d'expliquer maintenant l'utilisation de l'Argentavis. Donc, ce que je te propose, mon frère, c'est qu'on explique un petit peu que l'Argentavis est une créature de chasse. Oui. En fait, la particularité de l'Argentavis, c'est qu'il peut attraper un certain nombre de créatures, donc comme le raptor, comme... comme le parasaur ou autre. Et donc du coup tu peux boulotter la créature depuis les airs en étant sur en ayant attrapé la créature, quoi. Ah, c'est cool. Et c'est un excellent. Dis, tu peux pas dire à l'Argentavis de stop, s'il te plaît, parce qu'il te suit. Il reconnaît la puissance. Je vois. Yeah. Attends, je vais le choper, hop. Voilà, je l'ai mis au sol. Ouais, donc c'est une excellente créature de chasse. Que ce soit dans les airs ou autre. Tiens, descends de la selle que je puisse lui dire stop. Et notamment, tu peux, en pilotant parfaitement bien l'Argentavis,
Tu peux en faire un chasseur de créatures alpha. D'accord. Parce que Chasseur de créatures les alpha. créatures alpha sont au sol. C'est des grosses créatures plus puissantes que leurs congénères. T'as les carnots alpha, les raptors alpha et les T-Rex alpha. Ok. Ils sont extrêmement dangereux. Et Ah. comme ils sont sur Terre et qu'ils ne peuvent pas voler, l'Argentavis c'est un excellent moyen de les tuer. D'accord. Et d'autre part, il faut savoir que bah, comme tu peux comme la dernière fois je l'avais montré, mais tu peux attraper aussi des joueurs avec l'Argentavis et faire comme les parasaures ou les raptors, tu peux les manger en vol. Ce qui en fait un excellent allié au PVP. D'accord. Donc ça, c'est la première grande particularité de l'Argentavis, qui est donc du coup une créature de chasse. La deuxième particularité de l'Argentavis, qui est assez importante, c'est que c'est l'ami réellement du récolteur, de celui qui va récupérer les ressources. C'est son ami favori. Parce que il a une réduction de poids sur l'obsidienne, le métal, les lingots de métal, la pierre, le silex, le cristal, je vais y arriver, et le polymère, qui sont les matériaux les plus lourds du jeu. Et les perles noires. D'accord. Oui, Et c'est donc vrai du que coup. l'Argentavis, il a une grande capacité de transport, quoi. Bah, c'est parce qu'il a une réduction de poids, en fait, justement. Il réduit de 50%, par exemple, le poids de la pierre. Toi, quand tu prends la pierre sur toi, il va te faire 600 kilos, tu le mets dans l'Argentavis, pour lui, ça lui fait 300 kilos. D'accord. Ah C'est ben génial. une réduction de poids. En plus, c'est un très bon farmer de viande prime et de viande normale. Il sait récolter aussi un petit peu de peau, un petit peu de fourrure. Donc, ça reste aussi un dino de récolte assez intéressant. Et puis, comme il peut attraper des créatures, bien, il peut tout à fait attraper l'ankylosaure pour l'emmener tout en haut de la montagne, là où tu trouves justement le minerai de fer, le cristal et l'obsidienne. Yeah! Donc du coup, c'est vraiment l'ami pour ça. L'Argentavis a donc du coup cette particularité de pouvoir grab les grosses créatures. Et donc du coup, c'est un soutien énorme pour ceux qui vont récolter des ressources, car l'ankylosaure va vous permettre de pouvoir récolter du métal, de l'obsidienne et du cristal en haut des montagnes. Et de ce fait, en l'attrapant et en le menant en haut des montagnes, vous allez pouvoir du coup casser ces rochers et récupérer les ressources tout en haut des montagnes, ce qui est un soutien fortement utile. L'Argentavis est aussi un très bon soutien pour le dressage, car il peut transporter les créatures moyennes pour les mettre dans une cage que vous aurez préalablement construit à cet effet. L'intérêt, évidemment, vous le voyez tout de suite, c'est que ça va vous faciliter grandement le dressage. En PvE, vous ne pourrez attraper que des créatures herbivores, mais en PvP et en solo, vous pourrez aussi attraper les créatures de type prédateur carnivore, comme les loups, les raptors, les baryonyx. Donc l'Argentavis, c'est donc un énorme soutien pour les dresseurs. D'autre part, l'Argentavis ayant une grande capacité de poids et une selle artisan vous permettra de transporter et de fabriquer les pièges que vous aurez besoin ou les munitions que vous aurez besoin pour dresser, ce qui en fait un allié encore plus essentiel. De même, l'Argentavis, pour vous aider à dresser des créatures, peut servir de tank, tout simplement, parce que il a une forte capacité de santé. Muni de sa selle, disposera d'une armure. Plus la selle sera améliorée, plus l'armure sera intéressante et vous permettra du coup de dresser tranquillement une créature. Du coup, c'est vraiment l'ami pour ça. Et d'autre part, l'Argentavis est aussi un excellent soutien pour les bases.
Pourquoi? Parce que ça m'arrive souvent de construire à l'argentavis, parce que tu peux directement construire depuis le dos de l'argentavis, mais surtout, une particularité qui est extrêmement puissante chez l'argentavis, c'est sa capacité, tout simplement avec la selle, d'être un artisan. Tu peux construire tout ce que tu peux construire dans un artisan sur la selle de l'argentavis. D'accord. Ah oui, c'est pratique ça. Donc en gros, en plein vol, tu peux construire à l'aise, quoi. Tout à fait. Donc, par exemple, si je veux, je peux faire la trappe béhémote. Voilà. La trappe géante renforcée. Ou je peux faire la grosse porte béhémote pour dinos gigantesques. Donc, ça donne accès à pas mal de choses qui en fait un excellent soutien à la construction d'une base. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, c'était pour l'une des raisons qui fait qu'on s'est retrouvé dès le début avec un argentavis. Oui, bah oui, c'est vrai que c'est pas mal comme, comme type de dino. Bon, mon frère, Yeah! on va retourner à la base. C'est parti. Du coup, tu prends lequel? Je vais mettre le Mont Pterano en suivi, puis je vais prendre l'Argentavis. Ok. On va pas tout de suite, les amis. Yeah, mon frère. Bon, c'était une excellente partie de dressage. C'est clair. Bon, comme tu vois, mon frère, hein, notre élevage de loups commence. Donc, en gestation, on va voir si le bébé a récupéré les stats de poids et d'endurance qui nous intéressent. Qu'est-ce que tu en as pensé du coup, mon frère? Mais écoute, intéressant, très intéressant. C'était vraiment un bon épisode. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas fait concrètement le dressage de l'argentavis. Donc, mais c'est intéressant. Ça m'a rappelé un peu les précédents dressages qu'on avait fait. Donc voilà. Ok, Attends. super. Alors, juste en ce moment, mon frère, excuse-moi, il faut que je réponde. Yeah! Écoute, mon frère, ça y est, il est né. Yeah! Ah! Alors, du coup, en termes de statistiques, il n'a pas eu l'énergie de sa mère, ni le poids de son père. Donc, c'est un rebut. Écoute, mon frère, je pense que la vidéo, elle est bien terminée là. Donc, n'hésitez pas, les amis. Bien, j'arrive pas à récupérer le corps. Merci Oh, d'avoir. mais t'es gore! Oh, un Moi, pas du louton tout. en Arrête, c'est de la super viande, hein. plus! C'est comme de l'agneau! C'est exactement ça. Moi, j'arrive Ah, pas à le c'est bien! récupérer. Devant les parents, en plus, tu fais ça! Oh! Mais non, oui! Oh! C'est nous les plus grands bouchers de Ça. C'est ça. Écoutez les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Et on vous dit ciao les amis. Ciao, à bientôt les amis.